Bonjour tout le monde, c'est notre maître et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une vidéo un peu spéciale. Hein. Je vais vous montrer un circuit intégré qu'on présente pas trop, on va dire comme ça, qui est assez connu. C'est le 74181. Je l'ai ici, il est là. Il est là. Vous voyez pas bien, mais là j'en ai deux là, normal. Elle, voilà, c'est bon. Là, vous voyez, elle est marquée 74 180, 74 180. Et vous voulez voir ce l'intérieur, et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, on est parti. Et voilà à quoi ressemble la puce, les deux en tout cas, qui a été. C'est donc le. Voici 74 tel qu'il est, voilà, tel qu'il est composé. Donc voilà, et donc c'est bon, ouais. Donc par exemple, pour faire l'addition, il faut cliquer là et là, voilà, hein, et pour activer 0 et 3. Et ensuite, aller activer, ensuite, pour faire 4 plus 5 par exemple, ça fait 9, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'était un truc, ouais, voilà, et c'est pas terminé. Maintenant, si je, voilà, là, c'est bien comme ça. Les soustractions, on active ça. Voilà, et si je fais soustraction, pour inverser simplement. Et en fait, il y a plusieurs portes, on peut faire pas mal de passages logiques, on peut faire ici. Voilà, c'était notre maître, et merci, à la prochaine.